satisfaction par rapport à l'organisation de ce séminaire qui rappelle que le sport a sa place dans la société. D'accord, aujourd'hui, on vit pas mal de problèmes, pas mal de contraintes, pas mal de difficultés. On sort des Jeux Olympiques pratiquement bredouille, organisé tout récemment à Rio, au Brésil, sachant qu'on était parti avec beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir, que nos athlètes allaient ramener de l'or, de l'argent ou un peu de bronze, avec tous les moyens qui ont été mis à disposition, aussi bien financiers que humains. Nous sommes revenus encore une fois bredouille, tout comme les Jeux de Londres en 2012 et les Jeux de Pékin en 2008. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin des Jeux de Tokyo en 2020. Donc ce colloque ou ce séminaire vient à point nommé pour tirer le signal d'alarme et montrer à tout un chacun qu'aujourd'hui, il est plus qu'important de réfléchir à une totale refonte du sport national. Aziz Daouda, bonjour. Est-ce que vous pouvez rapprocher un petit peu plus les lecteurs du matin du sujet d'aujourd'hui concernant la machine à fabriquer les champions au Maroc? En fait, la fondation Tijari Wafa Bank a estimé que c'était le moment d'échanger autour de cette thématique, vu la situation du sport national actuellement qui a des difficultés à produire de la performance, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc j'étais approché comme d'autres collègues pour discuter de cette thématique-là. Et je pense que c'est un devoir pour moi et pour tous ceux qui peuvent apporter un petit quelque chose dans cette réflexion qui doit être nationale, qui doit être menée au plus haut niveau de la nation, donc au niveau des décideurs sportifs. C'est un devoir que de participer à ce genre de réflexion, ce genre d'échange, parce que ça n'est que ça, que cette réflexion intellectuelle qui va nous permettre, non pas de faire le constat est fait, tout le monde peut le faire, mais surtout d'entrevoir les possibilités de faire démarrer ou redémarrer la machine sportive nationale. Alors vous étiez à la tête de la direction technique de l'athlétisme national. Selon vous, quelles sont les lacunes qui ont fait que l'athlétisme national a autant régressé pendant ces dernières années? Vous savez, on a tendance au Maroc à penser que l'activité sportive est une activité qu'on peut gérer comme une entreprise et qu'on peut gérer disons, sans tenir compte de l'apport de l'humain. Or, la performance sportive est d'abord une production humaine, une production artistique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la performance sportive, c'est une expression culturelle. Et moi, je défends cette idée, je la soutiens et je pousse à ce qu'elle soit admise. Et bon, nous pouvons être tous les deux, moi et vous, lauréats d'une même école, de Beaux-Arts, par exemple. Et puis, la vie va faire que vous allez être meilleur peintre que moi. Tout simplement alors qu'on a fait les mêmes études, parce que vous avez quelque chose que je n'ai pas. La performance sportive est basée d'abord sur le talent. Alors, le talent des athlètes, bien évidemment, des sportifs, mais aussi le talent des encadreurs. Et ça n'est pas n'importe quel encadreur, n'importe quel jeune homme qui peut prétendre à une performance de niveau international ou de niveau mondial s'il n'a pas les qualités pour. Et je pense qu'on a péché en pensant que ce sont les institutions qui vont créer des champions. Non, ce n'est pas les stades qui créent des champions, ce n'est pas les pistes qui créent des champions, ce n'est pas des salles qui créent des champions, ce sont des humains qui créent des champions. Donc je pense que le Maroc se doit d'investir dans l'humain, et le plus vite sera le mieux. Écoutez, c'est un thème très ambitieux. Déjà d'abord, félicitations aux organisateurs d'avoir pensé à ça, parce que c'est vrai qu'on a soif de résultats, donc les résultats ne peuvent se faire qu'avec des champions. Est-ce qu'il y a une machine à fabriquer? J'en sais rien. Je sais que le Maroc a eu la capacité par le passé de fournir des grands athlètes, que ce soit en athlétisme, soit au basket, au hand, au football. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont faites dans différentes fédérations. Je parlerai de celle dans laquelle je travaille, c'est-à-dire la Fédération royale marocaine de football. Il y a vraiment un programme très ambitieux qui est confié à la direction technique nationale, dans lequel il y a trois départements qui doivent être intimement liés. Alors, tout ce qui est développement des pratiques, il faut que l'on puisse voir plus de jeunes et plus d'enfants qui puissent pratiquer le sport, puisqu'à l'époque on le pratiquait à l'école. Malheureusement, il y a de plus en plus de défections au niveau de la pratique à l'école, au niveau du sport, de la gymnastique, etc., qui construit l'enfant pour devenir un sportif. Ensuite, nous manquons énormément de cadres qualifiés et formés à la formation des sportifs de haut niveau. Et bien sûr,
avoir des infrastructures pour que ces jeunes puissent pratiquer leur sport favori. Donc aujourd'hui, les trois départements sont très liés. Aujourd'hui, il y a un gros programme qui est fait par la fédération pour justement amener ces jeunes à être encadrés par des cadres qualifiés et dans un environnement sain et sécurisé pour ces jeunes-là. Au niveau de la Fédération Royale de Football, quelle est la vision que vous avez pour pouvoir arriver à cet objectif-là? Tout simplement, la vision est très claire, c'est-à-dire redorer le blason que l'on a eu. On ne part pas de zéro. Il y a, je dirais, un passé. Le Maroc est un pays sportif. Le Maroc a déjà exporté des grands joueurs. Quand je pense à Boudelbala, à Neybet, à Basser, à Hadawi. Donc, on a eu la capacité de fabriquer ces champions-là. Aujourd'hui, la vision, elle est très claire. C'est redorer ce blason à l'échelle déjà africaine, parce qu'on a toujours pensé à l'international vers l'Europe. Donc, il faut se confronter, il faut s'étalonner avec ce qui se passe sur notre continent africain. Donc pour nous, cette vision-là, elle est très claire. Et en plus, il faut vraiment travailler en profondeur dans toutes les régions du Maroc parce que nous avons des potentialités et il faut aller vers ces jeunes-là, vers ce football-là pour pouvoir, je dirais, le développer et avoir des champions de demain.